Bonsoir, on va déjà 26 sur YouTube. Bonsoir à tous, merci d'être là. Salut Antoine, bonsoir Morgane. Oh, ça a l'air sympa les messages. Oh, le boss, non, j'ai pas la prétention, mais c'est gentil. Le magicien, ah, ça me va bien ça. Si je pouvais faire disparaître les kilos, ça serait bien cool. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Facebook, petit Instagram en même temps que j'ai lancé. On verra ce que ça donne ce soir. J'ai pas compris, la vidéo a disparu, donc on verra plus tard où ça passe. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui étaient là ce matin. Merci pour ceux qui étaient au rendez-vous. Une nouvelle fois, on est là ce soir. Je vais quand même faire le papy, là. Je suis désolé, mais il faut que je regarde parce qu'il y a des messages que je ne vois pas. Salut Sébastien, salut Virginie, Nadjet. J'espère que vous allez bien. Ici, on dit quoi? Alors, il y a une question qui m'est apparue ce matin. Effectivement, on me disait, mais tout le monde ne cherche pas à perdre du poids. Et c'est vrai, on n'en a pas parlé. Donc ça, c'est un sujet super important. On en reparlera ultérieurement. Un grand merci à tous parce que j'ai lu de nombreux messages ce matin après coup. D'ailleurs, j'étais même surpris de voir qu'il y avait autant de messages. Il y a plein de questions que je n'ai absolument pas vues qui sont passées à la trappe. Donc, je pense qu'on refera de temps en temps des petits lives parallèles comme ça pour tenter de répondre à vos questions. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mille merci pour votre présence, votre gentillesse. Qu'est-ce que bonsoir en attente d'une bonne séance. Ce soir, ça va bien bouger. On va la faire en deux parties. La séance de ce soir, on va faire une partie plutôt cardio au démarrage et une seconde partie qui sera plus assez fessier dans la continuité de ce que l'on a fait hier soir et abdos également en fin de séance. Donc le format risque peut-être, je dis ça, mais en même temps, c'est jamais sûr d'avance, d'être un peu plus court. Mais voilà, j'ai pas communiqué aujourd'hui volontairement sur la séance de ce soir parce que déjà je l'avais annoncé dans le live ce matin. Je vais pas remettre une couche en termes de com. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous aurez une information en tout cas pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent être là. Je vais y arriver. Voilà. Marie, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Sophie, bonsoir. Prenez une bonne bouteille d'eau, c'est important. Hydratez-vous bien. Merci pour vos retours. Ça m'a fait super plaisir. Vraiment, je pense qu'on a vraiment créé quelque chose ensemble. Donc ça, c'est très, très cool. Je ne sais pas si mes amis, les malentendants, là, peuvent nous entendre. Je vais essayer d'articuler ce qui n'est pas mon fort, mais s'ils peuvent lire sur mes lèvres. Alors, pour le moment, dans les recherches, a priori, si je sous-titre en dessous de mes vidéos, ça ne va pas être parfait. Pour la bonne raison, c'est qu'apparemment, ça va cacher l'image. En revanche, il paraîtrait que vous, sur les replays, sur les trois petits points, si vous appuyez dessus, vous devriez voir apparaître la traduction. Mais j'ai une demoiselle, Sandra, qui vient de m'envoyer une vidéo juste avant de démarrer et qui me donnait un petit tuto, effectivement, avec des explications. Donc, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Je vais regarder ça. Il y a plein de messages. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je le ferai. Donc voilà, patience, malheureusement, c'est vrai que je cours aussi après le temps, donc je répondrai un petit peu plus tard. Pour la séance de ce soir, pas de nécessité particulière, juste une bouteille d'eau et un petit peu d'espace. Par contre, j'ai une question, alors vous n'allez pas me répondre comme ça, évidemment, mais pour la semaine prochaine, j'aimerais faire une séance d'équilibre. Il faudrait que vous ayez une surface au sol qui soit un peu glissante, du type parquet, carrelage, je pense que des moquettes peuvent être appropriées, mais il faudrait que vous ayez autour de vous quelque chose sur lequel on puisse glisser. Là. Pas comme si on faisait du patin à glace, hein, évidemment, mais vous voyez mon parquet derrière, si j'enlève des chaussures, j'ai la chaussette qui glisse, ou si je mets une serviette en dessous. J'aimerais bien vous faire une séance différente et complémentaire. Regardez autour de vous où vous pourriez vous installer chez vous, si vous avez la place. Tout ce qui est parquet, carrelage, ou lino, des choses comme ça, ça passe. Après, effectivement, sur les moquettes, ça dépend du type de moquette. Voilà, 18h. Je vais essayer de moins parler ce soir. Je ne vous garantis rien, mais je vais essayer. Allez, lancez votre playlist. Et vous marquez, ce soir, j'ai sorti les gens. Alors, attention, c'est bronzage, dernier cri. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors, j'ai lancé également sur Instagram ce soir, 24 personnes, on n'est pas nombreux. Je vais pivoter un tout petit peu, attention, ça va bouger. Hop. Ça a commencé à taquiner, là j'entends bien, le short, les gambettes blanches. Allez, bon courage à tous. Et juste pour ceux qui démarrent ce soir, déjà, merci d'être là, bienvenue à tous. Et cool, on va vous donner des options, vous allez avoir la capacité de démarrer en fonction de vos potentiels et de vos capacités. Allez, c'est parti. On part avec les jambes à l'écart, genoux, pointe de pied tournée vers les extérieurs. On enroule les épaules, on inspire, on souffle.
Alors, je vois plein de petites heures qui passent. Je suis convaincu que c'est pour mes jambes. Ça, c'est une certitude. À chaque fois que je les sors, de toute façon, ces jambes-là, elles font de l'effet. Hein. C'est de par la blancheur immaculée, ça, c'est top. Hein. Ou pas. Allez, enroulez bien vos épaules. Parfait. Cherchez à bien serrer les abdominaux. Engagez le transverse. Pensez à serrer le périnée et engagez une petite rotation à droite et à gauche. Essayez d'avoir un buste bien droit. Et c'est surtout de souffler longuement plus que vous n'inspirez. Le petit pas à côté. On expire bien. À partir de là, on va commencer à échauffer un petit peu les membres supérieurs. Vous abaissez les épaules. Vous prenez de la hauteur au niveau de la posture. Vous montez les bras devant fléchis. Un aller-retour. Vous redescendez les mains au niveau des hanches. Un aller-retour. En haut, je monte. Hop. Et je descends. Et on reprend. En haut. Et je descends. Si vous démarrez ce soir, je pense qu'il n'y a pas trop de complexité là-dessus. Parfait. La version un peu plus rythmée. D'un côté, je monte les bras. De l'autre, je redescends. Alors, si vous avez mal aux épaules, vous faites l'inverse. Vous faites tirage et ouverture. Et je reviens. Hop. Tirage. Ouverture des avant-bras. Je reviens. Et je souffle. Ça, c'est déjà une option pour ceux qui, éventuellement, auraient les épaules sensibles. Sinon, on continue. On inspire. On resserre. On redescend. Un peu plus complexe. En haut. J'ouvre. Je serre et je redescends. Et là, il y en a qui sont en train de se dire, il nous a déjà perdu. Alors, si c'est trop dur de coordonner avec le haut, le bas, dans ce cas-là, vous stabilisez les jambes, vous montez simplement les bras, à l'ouverture, j'inspire, je redescends, je souffle. Vous voyez ce qu'on disait ce matin? Là, il y a une ouverture de la cage thoracique, donc il est logique d'inspirer. On ramène, on cherche à bien serrer abdos transverses et on revient. Voilà. Soit vous le faites là, soit vous le faites effectivement en mouvement. Allez. Parfait. Encore trois fois, deux fois. La dernière fois, on va stabiliser à nouveau les jambes. Vous revenez les mains au niveau des hanches. On va chercher à abaisser les fesses vers le bas et vers l'arrière. Petit mouvement, pas trop de pression, pas trop de descente dans les cuisses. Une bonne conscience au niveau du dos, une bonne posture. Et là, essayez de sentir qu'il n'y a pas de rupture dans les jambes. Ça descend sur 5, 10 cm max. On essaie juste d'être dans la régularité au niveau du mouvement. Voilà, pas saccader. Allez, 5 fois. 4. Alors, elle risque de piquer un peu la séance de ce soir. Deux, la dernière, et stop. Vous allez imaginer que vous avez une poulie devant vous. Vous allez attraper une poulie. Vous stabilisez votre bassin. Je commence par l'option cool. Vous tournez les épaules d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, tout ensemble, sur l'option numéro 1. Essayez de sentir qu'au moment où vous tirez sur la poulie, il y a rotation des épaules, mais il n'y a pas d'inclinaison par contre. C'est rotation à droite et à gauche. Et la rotation, elle provient de la contraction de vos abdos. Allez, soufflez lorsque les bras sont en haut. Expirez bien. Alors je reviens, n'hésitez pas à mettre une playlist à la maison, mettez un truc qui pulse un peu, ça peut vous accompagner. Hein. Allez, expirez, parfait, encore 3, 2, la dernière, parfait, on y reviendra ensuite. On va revenir tranquillement sur le petit pas côté, vous sortez bien la poitrine, encore une fois, vous cherchez l'engagement au niveau des abdos du périnée, vous allez descendre un peu plus bas dans les jambes et vous allez traîner avec les bras là. Allez, c'est parti. Les bras de course, l'option plus cool, elle peut être juste là. Elle peut être aussi au niveau des hanches, si les bras vous gênent. Ou alors, vous cherchez vraiment déjà à travailler un petit peu sur l'équilibre entre le haut et le bas de votre corps. Alors, ce qui fait vraiment la charnière dans tout ça, hein, ce sont toujours vos abdominaux. Allez, j'inspire, je souffle. Là, encore pas de précipitation, c'est cool ce soir. Même si c'est explosif, on a le temps de contrôler chaque mouvement, hein, chaque séquence. Parfait, deux fois. On revient. Option cool, on va marcher. 1, 2, on fait un pas côté. 1, 2, pas côté. Les mains au niveau des hanches, ce que je vous demanderai dans cette séquence-là, c'est prendre de la hauteur. Être grand, déjà engager les muscles posturaux. Essayez de sortir la qualité des appuis et l'énergie, vous la ramenez vers le haut. Vous ne la descendez pas sur chaque appui. D'accord ? On est bien, on est galbé, on est vers le haut. L'option un peu plus cardio, hop, qui reste néanmoins cool parce qu'on est quand même en phase d'échauffement. Parfait. Et si vous voulez la faire plus ou moins en version 3, c'est simplement, on remet les bras. Hop. Les bras sont hauts sur chaque extrémité. Ils sont en bas sur la transition. Hop. Tac. Allez, je tape pas. Cool. Soufflez bien. Allez, expirez. Enfin, encore 3 à tour. Parfait. Le dernier. Impeccable. On ramène, on fait 1, 2, 3, dégage. 1, 2, 3, petit pas, dégage. L'option light, sans impact. Option un peu plus sans rythme. Option avec petit déplacement, un peu plus prononcé de part et d'autre. Donc là, on fait, version cool. 1, 2, 3,
Je dégage 1, 2, 3. Je dégage. Le 1, 2, 3, il me permet de pivoter. Il me permet de me placer, d'accord, au niveau du bassin. C'est une vraie rotation. En rythme un petit peu plus soutenu. Pas trop violent non plus. Et pour les autres, c'est juste que je me déplace d'un côté et de l'autre. 1, 2, 3, dégage. 1, 2, 3, dégage. Allez, soufflez bien. Relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules. On va essayer de tenir 15 secondes comme ça. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Tout le monde est là, a priori. Tout marche de partout. Allez, très bien. Encore 7. 6. 5. 4. 3. 2. On revient sur l'option cool de tout à l'heure. Vous flexez les jambes, vous repartez avec la poulie et vous faites à nouveau en sorte de tourner les épaules par la contraction de vos abdos. L'option 2, elle va être là. Vous resserrez les pieds de part et d'autre. Donc vous tournez bien les épaules, mais les épaules, elles ne suivent le mouvement que parce que c'est la contraction des abdos qui provoque le geste. D'accord ? Donc, sans vous infuser, sans vous incliner vers l'avant. Parfait. Option 3, plus d'amplitude, plus de flexion dans la jambe. On essaie vraiment de marquer les écarts de part et d'autre. Mais attention, encore une fois, pas tourner dans la situation. Pas ça. Les bras, ils ne doivent pas aller plus vite. Non. Vous verrez tout à l'heure, c'est un exercice que l'on va faire. Les bras vont coordonner l'ensemble du geste. Et bien là, c'est pareil. Déjà, dans la perception du mouvement, essayez de sentir que les bras ne vont pas plus vite que les jambes. En gros, si je vous le fais, il ne faut pas que ça fasse ça. Hop. D'accord ? Non, du contrôle. Je pose mon exercice. Allez, soufflez bien. Les jambes cassées ce soir. Alors effectivement, soit vous êtes fatigué et ça va être dur au démarrage, mais ça risque de passer. Soit si vous êtes vraiment, vraiment trop fatigué, c'est pas un souci, vous faites un break ce soir, vous pouvez la refaire en replay plus tard. Allez, 3, 2, 1, parfait. L'option 1, l'option 2 et l'option 3. Quand ça se démarre, on tend un peu les genoux. Allez, soufflez bien, expirez bien. Alors je découvre, hein, après le live de ce matin, là, j'ai encore appris à vous découvrir autrement, différemment, mais ça m'a fait super plaisir. De plus en plus, je prends conscience de ce groupe virtuel finalement. Ce n'est pas si virtuel que ça, mais il y a un vrai partage. Ce n'est pas juste de la consommation pour un, mais de la dispense d'exercice. C'est plus fort, ça va plus loin. J'avoue que ça m'a touché. Allez, serrez les bras, serrez bien les abdos. Allez, si vous êtes à l'aise, vous montez un petit peu dans les intensités. Vous la faites cool, elle est là. Hop. Juste par contre, même si vous la faites plus cool, soignez les transitions. Et si vous la faites encore plus cool, option 1, par contre, essayez de sentir comment vous dégagez là. Engagez bien le transverse pour les abdominaux. Sollicitez bien votre périnée. Expirez tranquillement. Hop. Prenez le temps dans les transitions. Faites tourner votre bassin. Allez, pour tout le monde, une seconde. Cinq secondes. Trois. Deux. On revient à nouveau ici. Stop. Ouverture genou, pointe de pied extérieur. Flexion de jambe. Je remonte. Option cool, je descends 5 cm. Option moyenne, je descends 10 cm. Option plus complète, vous descendez de 20 cm. Regardez bien l'alignement. Les genoux qui sont quand même quelque part stabilisés au-dessus des pieds. Le dos relativement droit. Alors vous démarrez peut-être ce soir. Hein. Regardez bien. Ne faites pas ça quand vous descendez. Essayez vraiment de sentir que vous descendez par les cuisses. Ah, c'est sûr que c'est plus complexe. C'est sûr que ce n'est pas le même travail. Mais au moins, on galbe, on tonifie, on dépense de l'énergie et surtout, on préserve notre dos. Allez, j'inspire et je souffle. Voilà, sentez bien le corps montant. La remontée avec les cuisses, j'ai envie de dire, on s'en moque. Par contre, ici, vous sentez qu'il se passe un truc au transverse, vous sentez un truc au périnée, vous sentez la participation des fessiers. Allez, deux fois. Parfait. Vous restez là, on revient la dernière fois. Vous reprenez l'appui à droite, à gauche, option 2 et option 3. Allez. Partez bien de part et d'autre. Poussez bien sur les cuisses. Allez, Carla. Virginia, bonsoir. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté-là, côté YouTube? Je suis une fille équilibrée, ça devrait le faire. Mais toutes les filles sont équilibrées. OK pour la glissade. Bonjour à tous et bon courage. Bonsoir Isabelle. Arnaud, monsieur Arnaud, j'espère que tu vas être noir, non ? Florence, allez, 10 secondes encore. Hop. Le dos bien droit. 5 secondes. 4, 3, 2. Voilà, on aura fini l'échauffement. Je marche. L'option 1, option 2 et l'option 3. Allez, je souffle. Parfait. Quelle que soit l'option choisie, déjà, même si on est dans la phase d'échauffement, restez ici,
redressez-vous au maximum, engagez les muscles au niveau du dos, serrez bien, sentez que vous relancez donc cette énergie vers le haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un appui sur le sol, ce n'est pas au moment où vous déposez le pied, c'est au moment où vous relancez. C'est ça qui vous conduit vers le haut. Allez, soufflez bien, expirez bien. On tient, 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax, parfait. On expire. Alors, on va commencer. L'exercice est le même. Option 1, 2 et 3, c'est exactement le même. Simplement, on va monter dans les intensités. Je vais vous demander de vous mettre de face ou de profil, ça c'est selon vous. On va travailler avec le pied droit devant. On rassemble les deux pieds, pied gauche derrière. Pied droit va vers l'avant, le pied gauche va vers l'arrière. On part dans tous les cas, jambes fléchies. Si on va d'avant en arrière, on travaille sur la profondeur. Quand vous travaillez vous dans les cuisses, votre plan de travail, ce qu'on a fait hier, il descend vers le bas. Je rassemble et toujours vers le bas. D'accord ? Le truc qu'on ne va pas faire, c'est ça en allant vers l'arrière ou ça en allant vers l'avant. Non. C'est même avec le transfert, devant, derrière, ça va vers le bas. OK ? Option 1, cool. Je pose le pied et je fléchis derrière. Allez, c'est parti. On démarre ensemble. Inspirez sur un aller-retour, soufflez sur l'aller-retour suivant. L'option 2, même chose, je descends un peu plus bas. À vous de marquer plus ou moins la profondeur de l'exercice. Option numéro 3, vous l'aurez deviné, plus d'amplitude et travaille si possible avec les bras. Allez, soufflez bien. Voilà, regardez les bras devant vous. Lâchez pas votre dos. Allez. Si les bras vous embarrassent, même si vous êtes sur niveau 3, vous avez aussi la liberté de placer les mains au niveau des hanches. Checkez votre dos, checkez votre transverse. Allez, soufflez bien. 5 fois. Ce plan vertical. Encore une fois. Parfait. On revient. On reprend à nouveau le travail. Cette fois, pied droit, pied gauche devant, je recule. On fait juste ce petit pas. Restez tous ensemble. Ensuite, vous allez faire des dégagés sur le côté. Droite et gauche. Droite et gauche. Descendez dans les cuisses. Option plus simple. Devant, devant. Droite et gauche. Devant, devant, option droite et gauche. L'option 2, mini jump, je reviens, je dégage, je dégage. Mini jump, je dégage, je dégage. Et petit sursaut. L'option 3, on transforme. Jump en avant, jack. Jump, jack. Jump, regardez, mes genoux, ils ne sont pas avancés. Hein. Mes genoux, ils sont placés toujours au-dessus des pieds. Hop, et jack. Donc, continuez là-dessus. Je reviens sur l'option plus cool. Pour ceux qui, éventuellement, démarrent ce soir, droite, hop. Et je dégage. Devant, devant. Et je dégage. Hop, hop. L'option 2. Petit sursaut. Je tape pas. Et petit dégage à droite et à gauche. Hop. Parfait. Alors, on le fera deux fois. Hein. Donc, si pour le moment, c'est le pied droit, le pied moteur, si c'est celui qui commence l'action, c'est absolument pas gênant. Allez, 10 secondes. Quatre, trois, deux, un, parfait. On continue le travail. Vous partez avec les pieds écartés, un peu plus que la largeur de votre bassin. Pointe de pied tournée vers les extérieurs. Vous imaginez, vous avez une massue d'entraînement. De droit, on monte les bras. Vous cherchez à serrer les anneaux, on descend le squat, on met un coup de massue, d'accord ? Les massues d'entraînement, c'est très fréquent, ça. Dans l'entraînement fonctionnel, on inspire et on souffle. Ce que je vous disais alors, les bras vont coordonner le geste. N'accélérez pas, les bras ne doivent pas faire ça pour descendre après. Non, c'est par le rythme des bras que vous conditionnez tout l'exercice. Hop, vous soufflez bien. Option 2, déplacement à droite, à gauche. Ici, option 3, on monte, jump, inspire, inspirez quand vous êtes en haut. Parfait. Et si vous ne pouvez pas le faire, dans ce cas-là, vous faites hop, parce que vous avez mal aux épaules, petit transfert à droite et à gauche. Comme ça, vous sollicitez moins les épaules. Et plus le dos. Hop, hop. Là encore, la rotation, elle est conduite par la contraction de vos abdos. Allez, on tient. N'accélérez pas avec les bras. Un aller-retour. OK, option 1, on marche. Option 2, on trottine. Option 3, genoux et bras. Allez, soufflez. Expirez bien. Alors, on cherche Laure et Audrey. Mes cuisses chauffent déjà, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le sujet. Hello, 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 ok, bon, c'était parfait. Allez, tenez bon. 10. Expirez.
Alors tout à l'heure, on a fait jambe droite, jambe gauche. On inverse gauche et droite. Next. 3, 2, 1, c'est parti. Vers le bas, vers l'arrière. Option cool, là. Hein. Pas trop de flexion. Sentez surtout la transition devant, derrière, en essayant de sentir autour du déplacement. Vous êtes 1, bien dans le contrôle de la posture. 2, ultra engagé dans les abdos. Allez. C'est l'option 3 avec les bras. Soufflez bien. 3 fois. Dernière fois. Et rappelez-vous, devant, devant, cette fois, pied gauche. Hop, hop. Ou 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3. Ou hop, mini jump et jack. Allez, choisissez. Mini jump et jack. Dans tous les cas, pas d'impact. Du contrôle. L'engagement au niveau des abdos. On maintient. Vous démarrez ce soir, c'est trop cardio. On récupère. Vous pouvez continuer. Gauche, droite. Je dégage. Je dégage. Et c'est bien. Devant, derrière. Je souffle. Prenez le temps de souffler par contre. Allez, 5 fois. Descendez dans les cuisses si vous pouvez le faire. 4. Très bien. J'aime bien descendre 2 fois. Allez, la dernière. Courage. On est déjà dans l'engagement. Ok, stop, on stabilise la massue, je serre ici. Option 1, option 2, option 3. Allez, plus de propulsion. Si vous commencez à sentir un peu les jambes de bois là, misez encore plus sur l'élasticité. J'amortis, boum, pour relancer. Amorti pour relancer. Un ressort, toujours cette image du ressort. Vous l'écrasez, quand vous lâchez, boum. Si vous faites ça, et que ça met une heure pour repartir, c'est bidon. Si vous êtes là, hop, j'ai la flexion et tout de suite, je suis capable de restituer l'énergie. Ça, c'est top. Là, le côté explosif, il est bon. Même si vous faites le cool, hein. Même consigne, même si vous le faites là. Et c'est ça, c'est la capacité de monter en appuyant bien sur le sol. Option 1, flex. 10 secondes. Allez, 5. Lâchez rien. 3, 2, la dernière. Option cool, je vous invite à ne pas totalement vous arrêter. Là, ou petit pas côté. Option 2, petit footing. Option 3, on lâche la corde à sauter et on monte les genoux. On monte les pointes des pieds. Allez, expirez, 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 expirez. On tient. Tu souffles en haut. Alors là, il n'y a pas de souffle en haut ou pas. Sur cet exercice-là, le plus intensif, vous inspirez en haut, vous soufflez en bas. Là, vous cherchez à serrer les abdos. Inspire. Expire, d'accord? Sinon, dans l'ensemble, là, vous forcez l'expiration. Longuement. Lâchez rien. Allez, encore. Hop. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Si vous avez des voisins en dessous, faites pareil. Petit pas, contrôle. 3, 2, 1. Relax. Allez, premier check. On va boire, on va boire, on va boire. Pas longtemps. Une petite gorgée. Vous avez senti que j'étais un peu perdu en mon salon, je ne savais plus où déplacer ma bouteille. Dès que vous pouvez, hop, corde à sauter, on se serre. Alors ça peut être ça, hein, toujours pour rester actif là. Le travail, il est perso. C'est vous et vous-même, votre engagement à vous, dans une unité, dans un collectif. Mais si c'est ça votre récupération, si elle est là, elle est parfaite. Les autres, vous êtes là, actifs au niveau des bras. Motivé, hein. On monte dans l'intensité, donc c'est bien. Déjà 18h20, c'est un truc de fou. Allez, je souffle. Alors, on va construire le travail. L'option numéro 1 va être la même pour tout le monde. On va partir pied parallèle. On va se déplacer sur la gauche. Vous fléchissez les jambes. Attention à ne pas avoir les genoux qui partent en avant. Cuisse. On pose pied gauche. On reste là, on contient. On rassemble. Encore. Hop, deuxième. Troisième. Je vais bientôt sortir du câble. Quatrième, on reste, on tient. Mettez bien les fesses en arrière. 5, 4, 3, 2, vous repartez ici sur place. Dynamique. Option cool, elle est là. Option 2, footing. Option 3, genoux. Allez, soufflez. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, on repart. Même chose, je prends le temps, je pose. 1, dans chaque déplacement de mes appuis, je sens qu'avec mon corps, je suis capable de ressentir l'appui et d'équilibrer, de compenser justement la perte d'équilibre. Hop. Quatrième. On tient, je suis là, je suis là. On descend un peu plus bas. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Et tout de suite vers l'eau. Tout de suite vers l'eau. Le boule. On souffle. Quel que soit l'option. On souffle. Encore. 5. On fait la même chose. On ajoute une phase un peu plus longue sur le statique. C'est reparti. 1. Je rassemble. 2. On enlève. 3. On vient. 4. Statique. Je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est reparti sur place. Hop, de la hauteur. Option plus cool. Allez, vous commencez déjà à avoir un peu l'habitude. Hein. Ceux qui arrivent ce soir, je pense que vous avez compris un peu le mécanisme, la logique de travail. On tient 5 secondes. 4, 3, 2, 1, on repart. 1, 2. Vous voyez, les appuis ne sont pas faits rapidement. Hein. Ils sont faits avec du contrôle. Troisième. Je reste là pour ne pas sortir du cadre. On bloque. 10 secondes. Vous pouvez aussi bloquer à ce niveau-là. Les mains devenues hanches. But droit, abdos serrés, périnée engagée. Ou alors plus bas. 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti tout de suite. Hop. Parfait. On continue. Même travail, même topo. La phase de transition, la phase statique. Une phase dynamique où on ne reste pas. Et une phase où on remonte à nouveau sur le jog. 5, 4, 3, 2. Allez, crochet, accrochez-vous. C'est parti. 1. 2, 3, 4, on reste en statique, 10 secondes, optimisez le relâchement, 5, 4, 3, 2, sur peu d'amplitude, 10 petits mouvements, 9, si vous ne pouvez pas, vous restez en statique, ou alors vous le faites plus haut, encore, 5, 4, 3, 2, 1, c'est reparti tout de suite, hop, et je reprends de la hauteur, ou cool, là, où je ne peux vraiment pas parce que j'ai mal aux jambes. Et vous restez en actif ici. 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Hop. 1. Sentez toute la surface d'appui. Au bout des pieds, le placement du dos. Allez, courage. Si vous êtes là, on bloque. Ouh. 5 secondes. 4, 3. Mettez pas votre dos en avant. Hein. Restez droit. Petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, et ça repartit tout de suite. Hop, et renvoyez l'énergie vers le haut. Pas là. Même si les jambes sont déjà fatiguées. Non, vous avez la capacité intrinsèque pour relancer, pour contrôler votre geste. Allez. Ah, s'il y a des grimaces, c'est bon signe. Moi, j'aime bien. Faites-moi des grimaces. Allez-y, faites, c'est pas grave. 1, ça soulage. 2, ça vous met dans le contexte. 5, 4, 3, 2. Vous commencez ce soir. Prenez du temps. Ici, les autres, vous repartez. Droit, pied gauche, terre. Allez, on souffle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rappelez-vous le compte du terre. Mini jump en avant, jack derrière. C'est parti. Mini jump, jack. Option 2, ça pouvait être ça. Petit dégagé, ou ça pouvait être mini jump, dégage, dégage. Mini jump, dégage, dégage. Option cool, elle est là. Hop, hop. Allez, soufflez bien. Encore. Expirez bien. 5 fois. 4 fois. Allez, je m'accroche. Encore. 3, 2, 1. C'est trop dur, je m'arrête. Je reste là. Sinon, je poursuis. Hop. Là, je m'en assure. 2, sans trop d'impact. 3, je décolle. Boum. 3, 4, 5, 6, 7, le dos, les abdos, le périnée, 9, et 10, on change, pied gauche devant, transfert, hop. Option plus cool, vous voulez pas renoncer, mais le cardio il tape de trop. Là, ici, quatrième, et je tiens, cinquième, j'ai pas renoncé, hein. J'ai juste ralenti, j'ai juste adapté, sixième, allez, 7, je vais rester sur le son cool, 8, ceux qui sont là pour la première fois, qui sont un peu perdus avec moi. 9. Hop, on tient. C'est parti. On reste.
On reprend devant, devant, hop, côté. Et on souffle. Restez là. Si c'est trop dur, si l'enchaînement est trop complexe, je ne parle même pas de la fréquence, juste de la constitution de la séance. Dans ce cas-là, vous faites que ça. Adaptez l'exercice. Restez là si vous avez besoin. Soufflez. Allez. Vous allez voir, c'est dur sur les 10 premières secondes. Et tout de suite, par magie derrière, on régule et ça va mieux. Allez. Encore 5, 4, 3, 2. On pose. Option 1, on est là. Option 2, côté. Option 3, intensité. Allez, go. L'option cool, restez là. Là. Inspire et souffle. 3 fois. 2 fois. La dernière. Parfait. L'option hard. Tout de suite, regarde mon devant. Et je monte les genoux. Option 2, fini. Option 3, là. Il est fada, le prof. Moi, je démarre ce soir. On m'a dit que c'était sympa. Il est fada. Allez. Restez ici si vous débutez. 20 secondes pour tout le monde. Les autres, là. Série des abdos. Sentez votre côté athlétique. Vous l'avez, ce côté. Hein, on l'a tous. Il faut juste le rencontrer. Allez, 12, 10. Vous êtes tous capables de bien courir. Vous êtes tous capables d'aller chercher le meilleur. On peut l'avoir, on l'a. Il faut juste le trouver, le rencontrer. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Relax. Et je bing, et je bing, et je bing. On souffle. Ouh. Allez, bon. Je laisse un tout petit peu pour la récupération. Vraiment, ça doit grimper. Hein. Allez, 684, 286 et 18 sur Instagram. Instagram, ça ne suit pas. Mais c'est pas grave. Je prends Facebook et YouTube. Allez, 30 secondes. Si vraiment vous êtes super à l'aise, dans ce cas-là, restez actif. Encore 30 secondes en prenant le temps de souffler. Abaissez votre cage thoracique. Engagez les abdominaux pour travailler sur le diaphragme. Vous vous rappelez ce qu'on dit ce matin sur l'expiration. Vous pouvez le faire là aussi. Hein. Encore une seconde. 9, 8, 7, 6, 5. La récupération active, on la poursuit pardon, sur l'option 1. Dégagez derrière, droite. Et gauche, on reste actif. Parfait. Option 2, un peu plus de flexion. Option 3, avec les bras. Donc, quand vous arrivez en haut, vous rassemblez les bras. Compact au niveau des abdos, on écarte sur les côtés. Là. Hop, hop. Pas d'impact. Hein. Quand vous posez le pied, regardez bien ce qui se passe. Ne faites pas ça. Parce que là, vous êtes tiré sur le tendon rotulien. Venez poser le pied devant. Ça n'est pas de faire ça. Mais venez poser le pied de façon, encore une fois, à ce que la flexion elle soit là. Et non pas comme ça. Là, vous allez vous faire mal. Vers le bas, toujours, avec du contrôle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Option. Genou avec les bras, plus cool. Encore plus cool sans les bras. Flexion de hanche, ça ne bouge plus ici. C'est stable, c'est le genou qui monte. À mi-runner, on est ensemble. Regardez le pied, il est là. Il ne traîne plus en bas le pied. Il est là. Hop, hop. Petit sursaut. Allez, soufflez. Encore. Parfait. Vous allez placer les bras au niveau de la poitrine et vous descendez les bras vers le bas. Hop. Attention, c'est les bras, pas les épaules. Regardez, ça ne fait pas ça. Hein. Pas ça. Non. Droit. C'est le genou qui monte. La pression, elle est avec les bras vers le bas. Chaque pression des bras, engagez votre transverse. Plus cool. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le même rythme que ce que je propose. Hein. Vous pouvez être à votre rythme. Là. Soignez votre exercice. Encore. Allez, 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Option 1, vous descendez ici. Option 2, jack, dynamique, ou avec les bras. Si vous faites le travail des bras, faites pas ça. Faites ça en pliant les bras sur retour. Là, et je plie les bras. Là, là. Option 3, on tire la plie du départ. On fléchit. Hop, le dos droit. Ne faites pas ça. Hein. Non, par les cuisses, encore. Allez. Quatre fois. Trois fois. Deux fois. On régule. Corps à sauter. 10 secondes. 9. 8. Soufflez. 6.
5, 4, option 1, option 2, option 3, c'est reparti, go. Allez, accrochez-vous. Avancez votre pied. Je vais rester sur notre plus court, j'ai quand même le voisin. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, cool, sursaut. Allez, prenez de la hauteur, grand, bien placé. Est-ce que les épaules sont relâchées? Je cours demain. C'est bien. Soufflez bien. Je sais pas qui n'arrive plus à suivre. Alors, vous pouvez réguler hein, si vous êtes crâné, fatigué. Restez là. Soufflez. Il n'y a pas de honte à être fatigué. On a le droit d'être fatigué. On peut tous être fatigué. 5, 4, 3, 2, option 1, option 2, option 2 plus, option 3. Allez. 15 secondes, 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, on récupère, on souffle. Ceux qui commencent pas, mettez là si vous avez besoin. Arrêtez-vous là, soufflez, c'est déjà très bien. L'intensité, elle monte, hein. Soufflez. Cinq, quatre, troisième et dernière, deux, un. Option une, si toutefois vous êtes encore là. Option deux et option trois. Sept, six, quatre, trois, deux, un, hop, option une, option deux, plus, trois. Est-ce qu'elle aurait que vous tapez le sol là? Est-ce que ça tape? Il veut nous tuer sans déconner. Cyril, Cyril, là, Cyril, là, on est ensemble, Cyril, lâche pas, ici, et je vous souffle. C'est là que vous contrôlez, hein. Là, c'est un ressenti. C'est là qu'on contrôle. Si on ne peut pas être là, si on ne peut pas être là, si on ne peut pas être là, ok, je suis là. C'est parfait. Ce soir, c'est parfait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On récupère. Option 1, je régule. 2, mon petit footing. 3, je reste un peu plus athlétique. Hop. Allez, montez les pommes de pied. Et vous êtes plus sûr d'être fatigué ce soir. Hein. C'est normal. Hein. Accumulation, fin de semaine, c'est normal. Alors, soit vous continuez ce que je disais et vous prenez le temps d'éguler, vous ferez la même séance plus tard, en mieux, soit au contraire, vous faites un break ce soir. Allez, 10 secondes, mettre sur le tapis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relax. Bing, bing, et bing. Allez, bon, on va souffler un peu. Allez. 34, hein. Il file le temps. Allez, 30 minutes cardio là déjà, c'est bien. La semaine prochaine, je vous ferai un petit test au niveau des pulses, voir à combien vous en êtes. Juste comme ça pour avoir une idée un petit peu en cours de route. Voilà. Soyez fâchés un peu, surtout ceux qui ont commencé ce soir. Soufflez, riez, ouvrez les fenêtres, oxygénez-vous. On va passer au sol, donc à chercher les tapis et les serviettes. Qu'est-ce qui fait chaud? Ah, ça envoie du steak. Ah, c'est dur ce soir, hein. C'est vraiment un impact musculaire et tout, et c'est quand même, on n'est pas au grand air, donc c'est sûr qu'on est encore confiné, manque d'oxygène. Ça, on dirait bien que tu nous donnes à fond. Alors, je vous dis, à mon avis, c'est un ressenti général que vous avez, parce que la fatigue est là. Oui, c'est dur, je m'en parle, hein, c'est dur. Mais vous avez toujours le choix des options, donc je pense que le rendu général, il fait qu'on est cramé. Allez, on prend la serviette, le tapis, et on va passer au sol. Alors, vous allez vous mettre sur le côté gauche, s'il vous plaît. Hop là. Vous devriez bien me voir. Voilà. Vous avez bien placé le bras fléchi et la main sur la tête. Si vraiment c'est inconfortable, venez poser dans ce cas-là la tête sur le bras. Voilà. Vous avez bien pris la jambe de sol. Là aussi, vous pouvez sentir que c'est fatigué d'hier soir hein, si vous étiez là. On continue notre travail. On va chercher petit, moyen, grand fessier là, les rotateurs. Et après, tout de suite derrière, on va chercher les fessiers profonds.
Et oui, on a menti, on n'a pas que deux fesses. Il y a plus de muscles que ça. Vous partez avec la jambe devant vous perpendiculaire. Vous démarrez ce soir au niveau du genou. Ici, on va simplement aller monter très modérément. Allez, donc pas ça. Pas du tout. Je fixe, je serre mes abdos. J'engage mon périnée. Alors, on m'a posé la question, est-ce que c'est normal que vous ne les sentiez pas trop là, les abdos? Oui, on n'est pas en train de travailler en tension sur les abdos. Mais par contre, dans le ressenti, vous devez sentir qu'ils sont engagés. Comment? Fermez un peu les lèvres, faites une pression expiratoire. Là, le transverse, il agit. Hein. Là, vous contractez. Parfait, on tient. On stabilise. On reste, on pense à des trucs sympas. Le maillot de bain qu'on va choisir cet été, qu'on ne sortira pas. Non, c'est pas vrai. On les mettra, nos maillots de bain, même si on verra, sous, dans notre salon, mais on les mettra. Parfait, on reprend pour 10. 1, 2. Ou alors, on aura la belle surprise de vraiment pouvoir aller sur les sortir, ce que je nous souhaite à tous. 5, 4. Moi, cette année, j'ai décidé. De toute façon, je n'en mets pas. Comme ça, le problème est résolu. 2, on bloque, on reste. Top. Ah, c'est un concept. Je le conçois. Allez, stabilisé. Donc là, actuellement, vous ne sentez rien. C'est le début, c'est normal. Vous demandez même si votre fesse est toujours là. 3, 2, 1, troisième, on remonte. 1, 2. On est sur des séquences de 10, hein, donc ça va. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reste. On va monter de 20 cm. Il est fin. Rappelez-vous, vous pouvez faire ça si vous débutez ce soir. Voire encore plus fléchi. Voire vous étiez là, c'est trop dur. Vous fléchissez aussi. C'est reparti pour 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque, on reste. Alerte, alerte, j'ai mal au cucu. Allez, soufflez. C'est limite trop lourd. On attend que ça se passe. 3, 2, 1, on repart pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, on bloque, on attend 10 secondes. Si c'est trop dur, que ça soit pas un prétexte, que ça soit pas la fainéantise, mais vous démarrez ce soir, c'est vraiment trop dur, oui, vous briquez, sinon vous restez. 3, 2, 1, on repart pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous descendez la jambe au point de départ. Vous placez le pied en rotation interne, c'est-à-dire que la pointe de pied, elle regarde vers le bas. Et là, vous allez aller vers l'avant. Quand vous enclenchez, vous partez en avant. Petit contrait, petit fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous bloquez. Avec le talon, vous montez vers le ciel. 1, pas trop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, vous placez le pied en rotation vers le haut et vous redescendez le point de pied vers le bas. Hop, 1, sans bouger votre bassin. Stabilisez votre bassin. Que la hanche ne part pas en arrière. C'est exactement la même chose qu'hier soir. C'est juste le plan de travail qui n'est pas le même. 3. Allez, travaillez. Ce qui vous fait la rotation du pied, là, ça ne doit pas être le pied, ça doit être la hanche. Petit, moyen, grand fessier. 4. 5. 6. Allez, encore. 7. 8. 9. 10. On reste. Maintenant, on tient. On fait la même chose, mais on va monter beaucoup plus haut. 1. 2. Allez, lâchez rien de rien de rien, les amis. 3. 4, attention, hein. Même si je le sais, vous avez vu, j'ai le bassin qui est parti en arrière. C'est naturel, on essaie de compenser. Hein. Allez, 3 fois, 2 fois. Et là, je vous invite, hop, cette jambe qui était en l'air, vous la gardez en l'air. Vous venez vous mettre sur le dos. Donc, cette jambe-là, elle est en l'air. Sauf si vous démarrez ce soir, dans ce cas-là, vous posez les deux pieds au sol. Si vous êtes en niveau 2, vous partez avec la jambe ici. Et pour le moment, même le niveau 3 est par de là. On prend un pied sur le sol, tête au sol. On va lever les fesses. On va garder le bassin et les épaules dans l'axe. On va pousser avec l'autre jambe. Ce n'est pas l'effet H mon mode de ça. Le bassin peut bouger, j'en suis convaincu. Moi, ce que je vous demandais, c'est de pousser sur l'autre jambe. Montez et descendez. Allez, soufflez bien. Donc, je démarre ce soir, les pieds sont au sol. Ici, cherchez la contraction abdos, fessiers, périnée. Et je souffle en montant. Chut, j'inspire. Donc, option 2 et 3 pour le moment, c'est ça. Allez, soufflez bien. Par contre, ne cherchez pas à aller haut. Parce que si vous cherchez à monter haut, vous risquez de cambrer. Donc, cherchez surtout à sentir que c'est en poussant sur le pied, vous embarquez le bassin. Là, vous devez sentir la fesse, elle est béton. Hein. Parfait. Et maintenant, l'option 3, quand vous montez, vous pouvez tendre la jambe et vous redescendez flexion. Hop. Quand vous montez la jambe, les deux cuisses sont parallèles. Et faites juste attention à votre dos. Allez. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Vous en faites encore 10. Option cool, vous avez les pieds au sol. Soit vous faites du statique, si c'est trop dur. Vous faites un tout petit mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. On revient tous. On pose les fesses. On part avec les pieds au sol. On place les mains derrière la tête. Vous décollez bien l'entour de la poitrine. Vous levez les épaules et vous stabilisez. Parfait. Vous restez ici. Vous allez inspirer. Alors, on m'a posé beaucoup de questions. Je vais vous faire voir plusieurs choses en même temps. Vous, vous allez rester au sol. Vous allez surtout souffler. En soufflant, vous devez sentir le transverse. Là. Donc, c'est vraiment en mettant les doigts, vous allez le sentir. Dès que vous allez forcer l'expiration, en toussant, en rigolant, inévitablement, le transverse, c'est ce qu'on va faire. C'est obligé. Donc, il dit pas, oui, mais moi, j'ai une couche dessus. Non, c'est mort. Le gras, le transverse, il est là. Vous l'avez tous. On l'a tous. Allez le ressentir en montant dans un plan vertical. Mettez-le en tension. À ce moment-là, vous faites du stop pipi. C'est-à-dire que vous remontez un peu comme si vous aviez envie de faire, d'arrêter de faire des billes. Voilà, vous restez là. Pour tous le ressentir, vous allez pincer les lèvres et vous allez faire ce que l'on a dit tout à l'heure. Une pression expiratoire. Un peu comme si vous aviez une brindille d'air, vous savez, et vous soufflez pour faire de la musique. Et bien, c'est pareil. Plus vous allez pincer les lèvres, moins l'oxygène va sortir, plus vous allez avoir une tension abdominale importante. Donc là, vous êtes quasiment la certitude d'engager votre transverse. Attention au dos. Vous ne devez pas venir plaquer le bas du dos. On s'en moque. Mais vous restez dans une autre. C'est-à-dire votre colonne vertébrale, elle est posée comme si vous étiez simplement allongé. Par contre, veillez à ne pas cambrer. Veillez à ne pas favoriser la rétroversion. Vous restez là. Vous inspirez et vous montez maintenant à l'expiration 5 fois vers le plafond. Ça fait chut. Je tiens. Chut. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vous marquez un temps d'arrêt. On m'a posé la question. On m'a dit, je peux pas faire d'abdos au sol, j'ai trop mal. Alors, il y a une autre solution. Je le fais à genoux, mais c'est le même principe, vous allez être debout. Les autres, vous continuez. Hein. Vous allez poser le talon de la main comme ça sur une chaise. Vous allez essayer d'avoir le dos droit, pas là, droit. Même principe au niveau de la contraction expiratoire. Ça se travaille. Vous inspirez, et maintenant, vous exercez une pression. Avec la main, vous appuyez sur la chaise. Et je relâche, j'inspire. Deuxième. Et j'inspire. Troisième. Abaissez bien vos épaules, sortez bien la poitrine. Hein. Trois. Vous êtes en train de solliciter le transverse de la même façon. Continuez. Ceux qui sont au sol, vous restez. Cinq petits mouvements vers le haut. Vous inspirez. Quatrième. Vous avez vu comment je tremble? Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Inspirez. Cinquième. Voilà. Je ne vous dis pas que ça sera aussi bien, mais vous pouvez le faire ici. Avec les mains sur le dessus de la chaise, sur une table, sur quelque chose de beaucoup plus conséquent, vous pouvez le faire sur un mur aussi. Je vous le ferai dans une prochaine séance. Mais ça vous permet de travailler les abdos sans forcément être allongé sur le sol. Parfait. Vous allez stabiliser. Vous allez rester en position. Une fois que vous êtes là, vous allez monter les genoux à la poitrine. Même option numéro 1. Option numéro 1, vous allez simplement garder les mains derrière la tête. Là. Option numéro 2, vous allez appuyer avec les mains sur les jambes. Les pieds sont plus hauts que les genoux et les cuisses à la verticale. Et j'appuie là. On met le travail exactement ce que je viens de faire sur la chaise. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5. On ramène les mains dans la tête. On reste. Si l'option 1, vous voulez vous tester à le faire, faites-le. On refait la chose. Et regardez ceux qui disent, oui, mais j'ai mal au cou. Regardez ce que je vais faire. J'appuie 5 secondes. Et pendant ce temps-là, je tourne la tête à droite, à gauche. Et je tiens. 3, 2, 1. Ce simple petit geste au niveau de la tête, il va vous décontracter les muscles du cou. Troisième. Hop. 1, 2, 3, 4. 5, on ramène, on maintient. Encore, hop. 1, 2, 3, 4, 5, on ramène. Parfait. Vous ne pouvez plus pour l'option numéro 1, vous pouvez le faire aussi avec les pieds sur le sol. Hein. Par contre, faites attention juste à une chose, à ne pas faire ça. Comme les pieds sont plus grands, vous risquez de vous enrouler. Non. Votre plan est vers le haut. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous ramenez les mains dans la tête. L'option 1, ou vous faites des petits mouvements vers le haut, ou vous restez en statique. Ou vous montez alternativement le genou vers la poitrine comme ça. J'inspire et je souffle. Parfait. L'option 2, ici, vous faites la même chose. Vous levez les fesses, vous ramenez tout doucement le genou vers la poitrine en soufflant et vous revenez tout doucement. Alors, si on veut aller plus loin dans l'expiration, c'est j'inspire, je ramène le genou, je souffle. Là, je bloque, j'inspire et je fais de l'excentrique. Donc, sur l'excentrique, je souffle encore. Soit vous faites juste, je souffle en ramenant et au moins j'inspire en revenant. Allez, encore, troisième.
On ramène. Quatrième. Cinquième. Allez, vous allez jusqu'à 10. Septième. N'allez surtout pas vite. Hein. Allez chercher chaque fibre musculaire du bas vers le haut, remontant vers le sternum. Parfait. Dernière. On relâche. On revient. Non, je n'ai pas oublié les fessiers. Vous faites le transfert et on passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. Oh, je croyais qu'il allait oublier. Arnaque. Au secours. On plie vers la jambe de sol. Voilà, vous allez récupérer un sur le fessier. Hein. C'est cool. Option 1, option 2, option 3. Allez, c'est parti. 10 mouvements sans spécifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque, on reste. Je profite de la transition de 10 secondes là. La séance que je vais vous faire faire la prochaine sur le parquet, pour que ça glisse là, elle est excellente. Mais pareil, sur le mur, je pourrais vous faire faire plein de choses qui sont exceptionnelles. C'est reparti. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous demandez pourquoi on a eu tant mal tout à l'heure. C'est vrai que finalement, on ne sent plus rien. Limite, on sent peut-être un peu trop les abdos. On tient. Oh, c'est cool en fait. Ah, 5, 4, 3, 2, c'est parti pour 10. 1, 2. Je vous ai dit hier soir, hein, les fessiers sont stabilisateurs pour avoir une jolie silhouette, pour avoir une posture, pour les amis qui font du sport. Hein. Comment vous allez avoir une relance dans les appuis qui vont être extraordinaires. Top, on bloque. On tient, on essaie de trouver où est la notion de relâchement et on monte plus haut. On maintient. Allez, moi, j'ai jamais été bon en athlète que le jour où j'ai compris qu'il fallait que je fasse des fessiers. 1, 2, surtout, j'ai arrêté de me blesser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. D'ailleurs, on ne sait pas non plus, mais souvent, les problèmes du genou viennent aussi d'une carence des fessiers. Et oui, messieurs, 3, 2, 1, hop, c'est reparti. 1, 2, je ne dis pas que c'est tous les problèmes du genou, hein, mais les problèmes du genou peuvent aussi être liés justement à une déficience des fessiers. 3, 2, 1, on tient, on reste. Allez, soufflez. Une troisième inhalaire comme ça. Soufflez bien. 5, 4, 3, 2, c'est reparti. Hop, 1, 2, 3, ne cherchez pas à lancer. Plus vous allez contrôler, plus ça va être dur, certes. Plus vous allez être fort mentalement parce que vous allez avoir l'emprise sur le geste et plus vous allez progresser. Hop, parfait, on redescend. On emmène la pointe de pied en rotation interne. Moyen, petit fessier. C'est parti, petit cercle en avant. 1, 2, 3. C'est plus dur sur l'instant, mais vous gagnez beaucoup plus vite dans la durée. Alors si on fait mal, on va être soulagé sur l'instant. On va mettre aussi beaucoup plus longtemps pour progresser. Donc le choix, il est vite fait pour moi. 5, 4, 3, 2, 1. Le talon, il est là. Vous allez chercher là-haut en montant pas trop haut, 20 cm. 2, 3, 4. Allez, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même amplitude, on travaille sur la rotation. On fixe le bassin. C'est parti. Rotation externe. Hop, ça part de l'arche. C'est ici que vous travaillez les rotateurs. 2, 3, 4, vous allez voir sur les trottoirs après quand vous allez mettre les clignotants, là, comment vous allez déboîter et dépasser les gens à pied. 5, hop, ni 2. Vous allez dépasser les petites grand-mères, ça va être énorme. 6, 7, 8, encore, 9, 10, allez, et on fait la même chose en montant plus haut si on peut. Hop, allez, 1, petit bassin, 2, faites comme moi, mettez la main pour sentir. 3, même ceux qui ne sont pas souples. 4, hein. Allez. Raison de plus pour travailler. 5, 6, 7. Ah, j'ai bougé mon bassin. 8, 9. J'ai bien senti que vous faisiez des gros yeux là. Et 10. Parfait. Vous gardez cette jambe en l'air. On revient sur le dos. Sauf si vous démarrez ce soir, vous posez les pieds. Sinon, vous partez de là, de sol, et s'appuyant sur l'autre pied. Que l'on monte et que l'on descend. Soufflez bien, serrez les ados. Sinon, on monte et on tend la jambe. Allez, les deux cuisses parallèles. 2. Serrez les ados. Lâchez pas le périnée. N'allez pas trop pour ne pas cambrer. Très important.
Ah, c'est trop dur, je vois que c'est trop dur. Regardez. Si c'est trop dur, faites ça simplement. Faites un statique là. Juste ça. Ça, c'est pas trop dur. Pour ce soir, restez là. Soufflez bien. Allez, c'est bon, il vous reste un avis de diabète. Je vous dis, on a le droit d'accepter la difficulté. On n'est pas obligé non plus de tout laisser sur le premier soir. Allez, 5, 4, 3, 2. Vous avez besoin de faire un break, faites un break. Vous pouvez poursuivre, on revient sur les abdos. On replace les mains dans la tête. On remonte, menton en arrière, trajectoire verticale. Mise en tension du transverse. Prise de conscience du périnée. 5 petits mouvements là-haut. 1, 2, 3, 4. 5, on reste, on inspire, on reprend, hop, 1, sentez que c'est l'expiration qui produit le geste et non pas parce que vous tractez vos épaules pour aller vers le haut, stop, on bloque, encore, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, on bloque, encore deux fois, hop, 1, 2, 3, 4, 5, on bloque, encore une fois, écartez les coudes, hop, 1, 2, 3, 4, et ça. Vous montez le genou à la poitrine, vous stabilisez, l'hypopressif, les mains sont devant les cuisses, on appuie avec les mains, les genoux résistent. 1, 2, 3, 4, et là je change, regardez, soit vous êtes en option 1, vous mettez les mains dans la tête, soit vous faites des petits signaux très très lents, comme ça, tranquillement, sur 5 secondes, soit vous faites extension jambe droite, deux fois, on en fait deux de chaque côté. 3 et 4. Et on ramène. C'est reparti. Les mains sur les cuisses. Hop. 1, 2. Ça doit trembler. 4, 5. Soit vous restez 5 secondes. Soit vous faites ici des petits ciseaux de jambes. Lentement. Soit vous faites 4 extensions à 45 degrés. Chut, soufflez lorsque la jambe s'éloigne. Attention à ne pas cambrer au niveau du dos. Sinon, vous descendez moins la jambe. Vous la gardez plus vers le haut. 3ème. C'est reparti. Les mains sur les cuisses. On appuie. Hop. 1, 2, 3. 4, 5, je maintiens. Ça peut être aussi pied au sol hein, si c'est trop dur ce soir. Restez pied au sol. 3, 4, 5, petit ciseau. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, deux fois, accrochez-vous les amis. 1, 2, 3, 4, 5. Option 3, 4 extensions. 1, ça peut être du pilates. Hein. 2, quand vous tendez la jambe, ne crispez pas. Soyez dans le contrôle. Allez, la dernière fois pour tout le monde, choisissez votre option. 1, 2, 3, 4, 5, on maintient. Allez, je souffle. Hop, hop. Parfait. Si vous êtes trop fatigué, vous lâchez, vous arrêtez là. Sinon, vous finissez juste avec 10 fois les genoux qui viennent vers la poitrine. Voilà. Aussi bien le contrôle musculaire quand vous ramenez les genoux vers la poitrine que lorsque vous les éloignez. Allez, 3. 4, 5, allez, la chaleur, 6, 7, 8, 9 et 10. Un grand bravo à tous. Encore une fois, vous avez fait le travail. Alors, c'était dur ce soir, hein. La séance était intense, elle était difficile, il y a la fatigue. J'espère que vous avez opté pour les bonnes options, celles qui vous conviennent. Encore une fois, attention, si des fois on est au niveau 2 ou au niveau 3 et qu'on a besoin de passer par niveau 1 ou niveau 2, c'est pas grave. On ne peut pas être là tous les jours. On peut être là et puis le lendemain on va être là et puis le lendemain on va être là. On ne sait pas pourquoi. Moralement, physiquement, on ne peut pas être au taquet. Je l'ai accepté la semaine dernière. J'ai eu une séance où j'ai cramé, je l'ai dit. On ne peut pas être bien tous les soirs. Donc il faut l'accepter aussi. Et puis peut-être que ça veut dire aussi que 1. Ou vous manquez de carburant, donc il faut peut-être manger mieux. Soit il faut juste récupérer et vous accorder aussi une journée de repos. Allez, restez sur le dos. Attrapez un genou sur la poitrine. Alors, je ne vais pas faire long, hein, je vous ai expliqué ce matin. Relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules. Je vous avais dit, je parlerai moins, mais il y a tellement de choses à dire. Soyez juste fiers de vous, les semaines passent, les entraînements s'enchaînent. On est là, on fait le boulot, on est toujours là. On est plus de 1000 à faire les séances ensemble. Chapeau, changez de côté.
Allez, vous allez venir tranquillement vous asseoir. Prenez le temps qu'il vous faut. En solitude que j'ai eu là, j'étais tout seul à chercher ma serviette. Je me demandais où elle était passée, j'ai cru que c'était Oxo qui me l'avait piqué. Si vous n'êtes pas trop souple, venez vous faire une petite brique pour vous asseoir dessus. Je pense aux garçons, il n'y a rien de péjoratif, je connais le sujet. Allez, pour les filles, asseyez-vous tranquillement. Mettez les mains derrière les fesses. Prenez le bon placement, la bonne posture, les points de pied légèrement tournés vers les extérieurs, les mains bien en appui sur le sol et vous allez légèrement vers l'avant, très légèrement. Voilà, en soufflant bien. Alors pour finir juste ce que l'on disait avant, on ne peut pas aller tout le temps, c'est vrai, mais on ne peut pas être non plus à 100% sur la séance. Pourquoi ? Parce que l'effet d'entraînement, justement, c'est ça. C'est de se pénaliser un peu, c'est de se mettre une contrainte. Et une fois que le corps et l'intellectuel mémorisent l'entraînement, comprend les bénéfices de ce que l'on a fait dans la séance, c'est après que vous reproduisez les efforts différemment. Et c'est en différé que c'est bénéfique. Ce n'est pas l'instant T, c'est le principe de l'entraînement. Donc même si sur le coup, c'est dur, la fois d'après, vous revenez plus fort. Et si c'est la fois d'après, c'est la fois d'après encore. Il parle tout seul, je ne comprends rien de ce qu'il dit de façon, des expressions bien à lui. De toute façon, si on est là à 18h, c'est juste pour lui faire plaisir. Après, vous allez tranquillement descendre le bras droit vers le pied droit. Si ce n'est pas le pied, ça peut être la cheville, ça peut être le genou. Si par contre, vous ne touchez pas le genou, on n'est pas super bien. Allez, soufflez bien, relâchez bien la tête, les épaules. Expirez bien. Si vous pouvez, vous faites l'autre au-dessus de la tête. Bon, laissez-nous parler de vous un peu, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que vous avez définitivement abandonné? Je ne pourrais pas vous en vouloir. Je ne pourrais que compatir. Parfait, revenez tranquillement, faites le transfert de l'autre côté, soufflez, allongez bien le bras. Des petits cœurs, c'est cool. Le petit cœur et les pouces. Hein. Je suis sûr que le petit cœur, c'est légal, je suis sûr que les pouces, c'est les filles. Ce que je me suis demandé, c'est que je ne me suis pas trompé sur l'intitulé des séances. C'est mardi, ce n'était pas la séance des gars, et jeudi, la séance des filles. Il y avait tellement de challengeuses jeudi soir que je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé dans l'intitulé des séances. Allez, soufflez bien. Hop, le bras au-dessus de la tête. Il y a de plus en plus de gars, hein, c'est cool, hein, ça fait très plaisir. Je sais qu'on se retranche beaucoup derrière ces dames, mais c'est bien l'idée que vous soyez là. Surtout, je pense qu'il y a certainement des sportifs qui font d'autres sports à côté. Encore une fois, je ne dis pas ça pour mes séances, mais je parle en tant qu'expérience. Ça va vous apporter énormément de bénéfices dans plein de choses. Les joueurs de tennis, les golfeurs, le foot, le rugby, tout. Alors, vous allez voir comment ça va vous apporter plein de choses et surtout, comment vous allez moins vous exposer de blessures. Allez, placez les deux chevilles l'une contre l'autre, enfin les deux semelles l'une contre l'autre, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous mettez là. Vous partez le dos droit, vous stabilisez par contre en prenant bien l'appui avec les mains. Vous prenez la hauteur avec ce fil qui se situe de la tête. Je vous invite à fermer les yeux, on va faire trois inspirations en essayant malgré tout d'ouvrir la cage thoracique. Inspirez. Relâchez, soufflez. Encore deux fois. La dernière fois, inspirez. Allez, une pensée positive. On a été au rendez-vous, même si c'était galère. Même si on a un peu, je veux dire, même si on a un peu chié. Même si c'était dur, c'est pas grave. On était là, on s'est fixé un objectif aujourd'hui, un de plus. On avance dans ce confinement, on est ensemble, on fait le travail ensemble, on galère ensemble et surtout, on progresse ensemble. Mille merci à tous. Merci pour cette soirée, pour cette séance. Et on se retrouve lundi en forme. Profitez bien. Ciao tout le monde.